Eh bien, salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre série sur Minecraft Survive Ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, je vais tout simplement vous montrer les nouveautés au niveau des constructions et la nouveauté de la semaine, tout simplement en ce qui concerne la map. Donc tout d'abord, vous pouvez apercevoir donc ma nouvelle maison. Donc avant, souvenez-vous, il y avait une petite maison, et maintenant, eh bien, nous avons une grande maison. Donc je l'ai pas fini d'aménager, c'est pour ça qu'il y a les blocs jaunes devant les vitres. C'est pas parce que c'est pas parce que pas que vous voyez ce que je fais. Enfin si, ouais. Enfin c'est surtout parce que je suis stressé quand quelqu'un me regarde de faire des constructions. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça devant, et puis comme ça vous permettra d'avoir une petite surprise quand j'aurai fini. À supposer que je finisse un jour, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'étages. Là pour le coup, là j'ai vraiment fait un grand truc, n'est-ce pas? Donc ensuite, on va passer aux autres constructions. Donc alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait? Donc déjà, il y avait la maison de Fred qui a été refait de A à Z. Enfin, sauf l'entourage qui... Bah, il a gardé un truc à peu près comme... comme une soucoupe, donc une construction assez ronde. Donc on va visiter l'intérieur. Donc il a fermé ses portes avec des portes en fer. Pour la simple raison que, bah, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Hop, je vais l'enlever après. Voilà, donc dans sa maison, il y a donc un golem. Et il a laissé sa maison fermée, donc avec des portes en fer, parce que sinon, bah, il sait que des personnes seraient rentrées et... Monsieur Connard. Ah d'accord, ah oui, ah bah oui, tout à fait, bah il l'appelle Monsieur Connard, ok. Donc, il a tout simplement fermé sa maison avec des portes en fer pour éviter que des personnes rentrent et viennent... casser la tronche à Monsieur Connard et aussi à ses chevaux là qu'il y a ici. Donc c'est pour ça, si vous aussi vous avez des soucis à ce niveau-là, si vous voulez enfermer des animaux à l'intérieur sans que personne vienne les toucher ou quoi que ce soit, eh bien n'hésitez pas à mettre des portes, comme ça personne ne rentrera chez vous. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc là il a fait tac de sa chambre. Ouais, franchement c'est très bien fait, ouais. J'avoue que ça, au niveau de la décoration, c'est vraiment pas mal. Par contre ça sert à quoi ça? Enfin je sais que c'est une enclume, mais qu'est-ce que vient faire une enclume dans sa chambre en fait? Je... Non, c'est pas grave. Au pire, c'est bien fait, franchement. Donc ici, c'est bon. Je crois qu'il peut fermer... Ah oui, voilà. Il peut fermer de l'intérieur quand c'est tranquille. Ok, d'accord. Ensuite, ouais, il y a sa télé avec les enceintes sur les côtés. Ensuite, juste ici, je crois qu'il a fait la porte... Voilà, des toilettes. Enfin, c'est plutôt des toilettes turques, là, si vous voulez mon avis. Et hop, une fois qu'on est à l'intérieur, voilà. Donc il y a des magnifiques fleurs pour que ça sente très bon. Ok, donc là, c'est bon. Un petit portrait si on se chie. Pardon, si on s'embête. Ensuite, on va passer par ici. Là, il a fait un petit feu tranquillou. Et là, juste ici, hop là. Ok, il s'est fait une petite salle des coffres, assez jolie, franchement. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Ah oui, d'accord, il y a plein de... Là, ok. Et là, c'est les... Ah ouais, d'accord, ah ouais. Là, c'est la redstone. Non, on va pas fouiller les coffres non plus. Hop, voilà, je vais sortir d'ici. Ah mince, ça fait déjà toute nuit dehors. Oh, bah mince, alors. Bon, alors, attendez, je repasse par ici, j'oublie pas le petit bouton. Voilà, nickel. Ouais, ça fait tout noir. Je pense que je vais remettre le jour, ou je sais pas, je vais laisser la nuit pour le moment, parce que c'est vrai que c'est assez joli, franchement, la nuit, n'est-ce pas? Donc, ensuite, ça, je vais l'enlever, par contre. Ensuite, je crois qu'il y a une maison ici, on l'avait jamais visitée, celle-ci. Attendez, je vais le faire tout de suite, parce que c'est vrai que dans cet épisode-là, je vais prendre mon temps, hein. Donc, c'est la maison de Kevin 3105. Hop là! Donc, petite maison avec une verrière. Non, par contre, c'est vrai que je vais mettre le jour, parce que j'ai peur que vous ne me voyez pas très bien. Voilà, donc, franchement, une petite maison avec du verre. Franchement, c'est pas mal, c'est bien fait. On va descendre un petit peu. Ok, donc là, il s'est fait une petite salle des coffres, lui aussi. Bah, c'est pas mal, franchement, écoutez. Coffre du néant avec tous les bails. Ah, il a mis... Ah d'accord, il a mis un jukebox, mais il n'y a pas de CD dedans. Remarque, voilà, ouais. Et en plus, je crois que les CD, si vous les mettez dans les jukebox, quelqu'un peut arriver, faire un clic droit dessus et le faire sortir. Donc au pire, si vous ne mettez pas de CD, c'est pas très grave, hein. Hop, donc ça, c'était la maison de Sverzergugo, donc j'avais déjà visité la semaine dernière. Ensuite, ah oui, il y avait la maison juste ici de... Non, pas celle-ci, celle-ci là, voilà. Celle-ci, c'est la maison de Gustave 3000, je crois. Hop là, attendez, il y a son pseudo, Gustave 3000, c'est ça. Donc il s'est fait une petite, hein, petite maison, voilà. Donc pour le moment, il a pas fini de la construire, n'est-ce pas? C'est pas méchant, je pense qu'il finira un petit peu plus tard. Quand il aura le temps, de toute façon, rien ne presse, n'est-ce pas? Donc, oups là, attendez, on fait comment pour monter? Ah, ici, voilà, c'est parfait. Donc alors attendez, je monte, c'est vrai qu'il a fait quand même une belle maison assez grande. Ah par contre là il y a un petit souci, mon petit Gustave, c'est que voilà, il faudrait que tu rajoutes ça. Voilà, c'est bon. Je vais supprimer ça. Donc 3, enfin 6 coffres, ouais pas mal.
six coffres, six fours, pardon. Ouais, pas mal. Non, franchement, il a fait une belle construction. Hop, ah, d'accord, délivre en chantier. Ok, bon, on va passer par ici et ici. Non, ici, c'est bon, on peut pas rajouter de blocs, sinon on se casse la tête et on peut pas passer. Ok. Hop là, donc, on va sortir d'ici. On a pas mal de constructions à voir, hein. C'est franchement, on va en profiter de cet épisode-là pour vraiment les visiter. Hop là, voilà. Donc ensuite, il y avait la maison de Sébastien. Donc, hop, elle est assez en hauteur, je dirais. Sébastien 135. Hop, voilà. Sébastien, par contre, ce bouton, il est bien, mais je suis pas sûr qu'il serve à grand chose, étant donné que c'est une porte en bois, et la porte en bois, on peut l'ouvrir comme ça, tu vois. Et de toute façon, elle se refermera dès qu'on passera sur le bouton. Alors, ton ami Thibaut arrête de jouer sur le serveur, car pendant l'attaque d'un Witcher, on m'a volé mon stuff, et je te laisse ma maison autant que stuff. Ludo est prévenu. Alors oui, Tybolt, c'est Tybolt Sub, il a quitté ça parce que des personnes lui volaient ses affaires, donc comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que c'est vraiment un comble sur un serveur comme celui-ci où des gens volent les choses des autres. Donc ça, franchement, je sais pas comment certains ont été élevés, mais voler les affaires des autres, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez dégueulasse, tout simplement, hein. La poubelle ou le trou de la mort. Ah oui, c'est-à-dire que si on tombe. D'accord, en fait on tombe et en dessous il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous tombez, vous mourrez. Et si vous jetez vos affaires en bas, vous ne pourrez pas les récupérer. Et comme les items disparaissent au bout de 5 minutes, il me semble, eh bien ça fait qu'ils disparaîtront tranquillou. Hop, alors attendez, on va passer par ici. Donc ici ça va être la cave, donc on va pas descendre plus bas. Hop, on va enlever. Ah! Ça, voilà, c'est bon. Donc là, on va remonter en haut. Donc, par contre, pour ce qui est de Thibaut de Soupe, je pense qu'il peut revenir sur serveur sans souci. Hein, si tu regardes cette vidéo, tu peux revenir sur serveur sans souci. Je pense que j'ai mis des choses en place pour éviter justement ce genre de truc. Donc, ça me ferait vraiment le plus grand plaisir de te revoir parce qu'en plus, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien en plus, donc il n'y a pas de souci. Donc, alors, attendez, je vais voir ça. Hop. Voilà, donc ensuite, on a d'autres maisons à visiter à Rapidos. Donc ici, ça c'est bon, cette maison-là, je sais pas si je vais visiter celle-là, c'est laquelle déjà? Là, c'est le propriétaire, c'est PM23001, ok. Oui, je sais, le pseudo se prononce pas comme ça, mais c'est pas grave. Ça se prononçait plutôt... Oh merde, en plus, je m'en rappelle même plus des numéros. Ouais, c'est pas grave, je vais revoir ça juste après. Ok, donc là c'est bon, ensuite on va passer par là, hop, 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 voilà. Donc là on arrive sur le toit, hop, on n'oublie pas de refermer ça parce qu'il y a des gens qui oublient de le refermer. Par contre, voilà, hop, on va passer par ici. Donc là, pour ici, pour cette zone, je pense que c'est à peu près bon. Je crois qu'il y a d'autres constructions, mais ça on les verra quand elles seront finies, n'est-ce pas? Après, il y a les constructions de Gabetti, le petit Gabetti qui a fait plein de constructions et c'est vrai qu'il s'est bien gavé là pour le coup. Il m'avait d'ailleurs demandé de visiter un peu sa construction, enfin c'est celle-ci. Donc là, on va voir rapidement de l'extérieur parce qu'il a pas encore aménagé. Ah si, un petit peu, il a un petit peu aménagé, il a mis un bon petit lit. Alors attendez, on va visiter rapidement. Hop, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de constructions à vous montrer. Donc on va passer par ici, et là, hop, il m'avait demandé de descendre les escaliers. Les échelles, pardon. Là, voilà, là, les escaliers. Hop. Ah, par contre, Gabetti, tes escaliers, ce sont des escaliers tape-tête. C'est-à-dire que dès qu'on descend, pim, 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 on se tape la tête. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est éventuellement, tu peux faire ça, hop. Et là, tu peux faire un peu ça, voilà. Rien que ça, regarde. Tu fais ça, et là, rien que ça, déjà, tu te tapes plus la tête dessus, tu vois. Bon, souci, c'est encore le verre, on se tape la tête sur le verre. Par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, de toute façon, je te laisse se faire, hein, hop là, par contre, je me suis un peu gouré. Hop là, voilà, je te laisse faire, je te remets comme c'était. Hop, voilà. Donc, voilà, là, on se tape la tête en descendant, et c'est pas forcément agréable, voilà, c'est bon. Donc là, on arrive dans un potager, et ce qu'il voulait que je vous montre, c'est ça, ce qu'il y a juste derrière le potager. Donc là, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, c'est Zéba. Là, c'est un petit coffre avec rien dedans, ok. Rien dedans et rien dedans. Ok. Hop là. Donc, je sais pas s'il a fini. En tout cas, ici, d'accord, il s'est fait un canapé avec une télé en face. Super. Et non, franchement, j'aime bien. En plus, il a quand même une zone assez grande où il peut faire pas mal de constructions. Je compte sur lui, de toute façon, pour faire quelque chose d'assez original. Hop. Donc, hop, on va sortir d'ici. On va sortir. Voilà, par ici.
Hop là. Ah, c'est vrai que pour monter, c'est bien, n'empêche. On se tape pas trop la tête. Mais pour descendre, c'est vrai qu'on se tape un peu la tête sur les murs. Enfin, sur les rebords. Alors, hop, on va sortir d'ici. Ensuite, il avait fait d'autres constructions. Comme celle-ci. On va rentrer dedans. Bah, il avait pas mis une porte. Le temple de Gabeti. D'accord, le temple de Gabeti avec aucune porte. Ouais. Bah écoutez, pourquoi pas. Bon, le temple de Gabeti, il est un peu il est un peu vaste et il y a... Oh là, d'accord, j'ai rien fait. Ah oui, d'accord, il y a pas mal de choses quand même. Ok, donc on va sortir d'ici. Ok, donc après il avait fait... c'est quoi ça? Gabeti. Ah, d'accord. Bon, ça c'est le Gabeti Room, ça, je pense. Bref. Ensuite, il avait commencé une autre construction, encore une fois. Le salon de thé de Gabeti. Voilà. Donc le salon de thé de Gabeti, assez original. Par contre, on a l'impression d'être dans des meurtrières ici, si vous voulez mon avis. C'est genre on vise et s'il y a quelqu'un qui arrive, schlac, on lui tire dessus. Donc ensuite, les coffres, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dans le coffre du salon du thé de Gabeti. Ensuite là, il a fait un truc, c'est qu'il a commencé une maison, et en fait c'est une maison qui ressemble à la mienne, donc une petite maison qui ressemble à la mienne, donc franchement, je pense que, en fait, la maison que j'ai fait, c'est surtout parce que, en fait, vu que je suis l'administrateur, je me dois quand même de faire quelque chose d'assez joli. Et ce que j'avais fait, c'était pas très beau, mais bon, c'est pas grave, mais c'est pour ça que j'ai refait une nouvelle maison. Et ce qu'il a fait là, c'est exactement ce que je veux, c'est-à-dire qu'il... Enfin, il est pas obligé de refaire la même maison que la mienne, mais au moins, il en prend... Bah, il en prend note et il essaye de faire une architecture qui ressemble à peu près à ça. Et voilà, il fait en sorte de la customiser comme il veut, à sa façon, à lui. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'attends de voir quand ce sera fini. Donc ensuite, chez Gabit, c'est chez. Alors par contre, c'est chez, ça sert à rien. Tu peux dire au moins chez Gabetti, Thibault, Soup, Sébastien, la villa. Donc on est dans la villa de ce beau petit monde qui n'a pas été encore fini d'ailleurs. Parce qu'elle n'est pas finie, tout simplement. Il prend son temps pour la faire, il a bien raison. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, je crois qu'elle existe d'ailleurs en mode créa, cette maison, enfin cette villa. Et c'est vrai qu'elle est pas mal en mode créa. Faudrait que je la voie, enfin je vous la montre à un moment donné. Ensuite là il y avait voilà, ça c'est la maison de Gus. Non, c'est pas Gustave, c'est Gotcha, Lulux et enfin tout le monde. Vous étiez un nombre. Attendez, de toute façon, si je fais, hop, voilà, je fais région ad, non, je fais région info, pardon, région info. Voilà, donc c'est Gotcha, Lulux, Monsieur Ivan, Monsieur Barthes, Obi-Wan Cannabis et Oceanus 78. Donc ça, c'était à vous, les mecs. Donc vous avez laissé ça un peu à l'abandon. Et le souci, c'est que vous aviez agrandi, mais j'avais oublié d'agrandir votre zone de protection. Ce qui fait que la zone ici où je vous montre avait été grief. Même le jardin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait une sorte de petite serre. Comme ça, vous voyez, vos plantations poussent et personne ne peut sauter dessus. Donc comme ça, vous êtes tranquillou avec ça. Il n'y a pas de souci. Même votre maison avait été grief, donc je me suis permis de la reconstruire un petit peu parce que bah, je trouvais que voilà, quoi, ça fait pas super, quoi. Alors que maintenant, elle est reconstruite, donc ça devrait aller. Hein, même le plancher a été reconstruit. Donc franchement, n'hésitez pas à vous reconnecter sur serveur et à continuer. Votre zone est agrandie, enfin, elle a agrandi à fond, quoi. Je l'ai agrandi un petit peu plus et comme ça vous permettra de construire sans souci. Donc ensuite, j'avais d'autres constructions à vous montrer. Donc déjà, le terrain de tennis est activé au niveau du PVP. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sable est assez joli. Là, franchement, c'est assez beau avec ce pas de texture. Enfin, c'est un... enfin bref, c'est. Donc il vous faut tout simplement un arc. Donc c'est une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, et avec des arcs, vous visez dessus et vous tirez dessus tout simplement. Et voilà, c'est tout. De toute façon, on peut voir les traces des combats précédents. Il y a des flèches là. D'ailleurs, les flèches, on peut pas les reprendre. Attendez, c'est pas comme ça qu'on fait pour. Ah voilà. Hop, attendez, je vais faire ça. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Et merde. Hop, voilà. Et là, je vais faire ceci en écrivain. Voilà. Voilà, c'est bon. Je prends les flèches. Non, je prends les flèches. D'accord. Ok, donc nickel. On va faire ça. Et ok, c'est bon. Par contre, la nuit est en train de retomber. C'est assez. Oh, c'est assez beau, un coucher de soleil. Ça donne envie de chialer. Bref, vous avez compris un peu le système du terrain de tennis. Maintenant, que vais-je faire? Donc là, nous avons une maison. C'est la maison de qui, ça, déjà? Fred Astaire vient de réaliser le succès, le début. Oh, bravo!
Bravo, franchement, GG à toi, Fred Astaire, qui a qui a réussi ça. Donc c'est oula. C'est quoi ce bruit? J'ai peur. Bref, la maison de G1. Donc c'est je m'en rappelle plus son pseudo entièrement. Bah attendez, si je fais ça, je passe sur région info. Putain, dans la musique qui a survenu d'un coup, je me croyais dans Slender quoi. Donc c'est Gatser Creeper qui a mis une maison une voilà. Ah oui, c'est mieux quand c'est fermé hein. Parce que c'est censé être un frigo et là c'est un robinet. Sauf que le robinet, il faudrait mieux le mettre ici. Non, en fait non. Non, en fait non, t'as raison mon petit hein. Non, en fait non, ce qu'il faut faire c'est que tu fais là et ça le début. Bravo! Fred Astaire, bravo. Parce que tout à l'heure c'était le début point d'interrogation et là c'est le début point. Quelle avancée. Alors attendez, comment on fait pour... Ah mince. Ah oui, ah là là. Ça c'est galère par contre. Attendez, hop, je vais faire ça. Faut me la mettre ici. Ensuite, faut sortir et ici faut remettre ça. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, comme ça te fait office de robinet, que tu peux lever et baisser à ta guise, et ça, c'est une porte fermée. Voilà. Donc, tout simplement, ensuite, on va monter à l'étage. Ah, merde. Ah, ben, là, il a la vue sur les étoiles. Là, franchement, attendez, par contre, je vais faire un time Z, c'est 1000 ou 5000, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est 1000, ça suffit. Ok, donc, 1000, ça permet d'avoir le soleil déjà. Oui, je sais, j'aurais fait day, ça aurait fait ça, en fait. Ça aurait fait un soleil levant, mais je préfère mieux un soleil un petit peu plus levé pour que ça fasse des couleurs un peu mieux. Comme ça vous évite de vous péter les yeux. Ensuite, il y avait la maison juste ici. Oui, là, je sais, je regarde plein de maisons. Ça, c'est la maison de... Je m'en souviens plus. Donc, c'est la maison de... Ah, par contre, il faudrait une petite dalle de pression, là. La région info, région info, région info. La maison de gardienne maison, non, la maison de gardienne bornier. Ok, donc, oups là, par contre, j'ai dit que je voulais pas regarder les coffres, c'est pas grave. Donc, il a fait un étage, il me semble, ouais, il a fait un étage. Un étage avec, ouais. Voilà, donc il a fait un lit, donc c'est un peu comme si c'était un trône, pas un trône dans lequel on s'assoit pour, enfin, ouais, non, mais vous m'avez compris, c'est pas grave, vous m'avez pas, hein, voilà. Vous m'avez compris parfaitement. Donc, je pense que ici c'est à peu près bon. Oh purée, hop là. Voilà, donc ici je pense que c'est à peu près bon pour ce qui est des maisons. Ouais, c'est à peu près bon. Ouais. Donc maintenant je vais devoir me rendre chez Monsieur Castor. Alors attends, on va se rendre plus vite en waypoint. On va aller chez ma copine. Voilà. Hop là. Ah purée, pourquoi j'arrive plus à le... Ah voilà, c'est bon. Donc ça c'est chez ma copine, donc je vous recommande de ne pas y aller sinon je casse la tronche. Non, j'ai... Enfin oui, si je vous casse la tronche quand même. Alors donc, ça, on l'avait visité ça ou pas du coup? Ah mince! C'était le truc de Fred, je crois qu'on l'avait pas visité. Attendez, Ça me turlopène. Attendez, on va aller visiter ça tout de suite. Hop là, voilà. Donc c'est une maison avec une... C'est une maison sous l'eau, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ça c'est assez bien fait, hein. Donc il avait fait ça, Fred Astaire, voilà. GG à lui, donc... Bravo à toi, Fred Astaire! Voilà, bref. Ensuite, on va passer à la suite, hein, n'est-ce pas? Donc là, on va sortir d'ici. Hop là, donc on va aller. Donc là, oh, j'ai récupéré deux patates. Ah merde! J'ai sauté sur les cultures? Oh non! Attendez. Où sont les cultures? Oh bah attendez, j'y reviendrai plus tard, j'y reviendrai à la fin de l'épisode parce que là j'ai... Bah oui, j'ai dû sauter sur les cultures, bah mince alors. Bon c'est pas grave, j'y reviendrai juste après. Hop là. Bon alors, on a la maison de Castor qui est pas bien loin. Ouais. Ah c'est là, voilà, ça y est, c'est bon. On y arrive tout doucement mais sûrement, bah, le temps que ça s'actualise, de toute façon, attendez, je vais faire, hop, voilà. Comme ça va se réactualiser. C'est bon. Ok, donc là on est chez Castor et Winplay, ils ont agrandi un petit peu leur maison. Par contre ils ont plus d'animaux là, c'est normal ça ou pas? Pas grave. Donc là c'est le manoir de Castor qui m'a demandé de dégommer, enfin de... Attendez, c'est chez Castor, venez comme vous êtes. Je crois qu'il m'a demandé en fait de le déconstruire, mais j'ai pas voulu. Parce que je trouve que c'est assez joli, et puis sans compter que, regardez, hop, on appuie là-dessus, on s'éloigne. Hop là, voilà. Pouf, voilà, on arrive ici, et là, il a fait sa petite salle des coffres, donc franchement, idée assez originale, hein, ce passage-là, pour tomber, enfin franchement, c'est pas mal. Donc pour sortir, hop, on passe par ici. Hop, voilà.
Ouais, non, je pense qu'en fait il a dû déménager parce que. Ou alors c'est quelqu'un qui a. Non, non, c'est la personne qui a sauté sur Culture. Hop, désolé, je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. C'est bon, hop. Donc on va sortir d'ici, voilà. Donc ensuite, donc ça c'était chez Cast. Et voilà, j'avais bien sûr, j'ai bloqué. Ok, bon, c'est pas grave. Donc ensuite, ça c'est chez Tour Windplay. La Tour Windplay qu'on n'avait pas visitée d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ça c'est la tour Windplay et pas mal, franchement j'adore, c'est pas mal. En plus c'est assez joli, c'est bien fait, ouais, tout ce qu'on aime quoi, n'est-ce pas? Donc ensuite, je pense que pour ici c'est à peu près bon. Est-ce que j'avais visité la maison de Castor dans un épisode? Parce que je crois que non. Au pire je vais la revisiter. Ah si si, je crois que je l'ai visité, si si. C'était dans... Mais attendez, elle est où sa porte d'entrée là? Je crois qu'elle est en face. Ah, elle est là, m'a fait peur, je suis d'une maison sans porte, n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Ok, donc divers objets. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Ok, donc là, tac, 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 bois, ok. Petite machine à caisse, c'est pas bien loin, on l'entend très bien. Elle est là, ouais. Ok, donc là, c'est bon. Ok. Ok, donc c'est parfait. Bah écoutez, par contre, la trappe. Voilà, nickel. Donc, on va sortir d'ici, par contre, les portes fermées. Voilà, c'est bon. Ok, donc maintenant je pense que je vais me rendre à un autre endroit. C'est notre maison de Castor et on se retrouve juste après, donc c'est parti. Eh bien voilà, donc on arrive pas bien loin de la maison de Castor. Alors attendez, elle est où? Alors attendez, je vais regarder sur la map. Allez, d'accord, elle est juste ici en fait. Voilà, pas bien loin. Par contre, ça c'est assez moche. Je parle pas de la maison, je parle de ça là. Voilà. Et j'ai vu qu'il y a ça aussi ici. Voilà. Tac, tac. Voilà. Ok, ça, on prend ça et on met là. Oh merde. Alors j'ai une de plus. Ok, bon, les patates, faut pas que j'oublie par contre. Donc ça c'est la maison de chez Castor. Donc ça c'est sa nouvelle maison, n'est-ce pas? Alors attendez, elle est où l'entrée là-dedans? Elle est là? Non, elle est pas là. Elle est là. Ah, elle est là. L'entrée, tac, voilà, on y est. Ok, donc, cadeau de charbon Winplay. Ah, d'accord, donc Winplay t'a fourni plein de charbon en bloc, parce que ce sont des blocs de charbon, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Donc, ouais, non, je vais juste un petit peu tranquillou, donc voilà, un petit jukebox, nickel. Ouais, non, c'est pas mal, c'est mignon, franchement. Hop, on va monter ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Coin salle à manger. Ok, donc on va monter. Ok, donc de toute façon il a pas fini de la construire, n'est-ce pas? Il s'est fait un petit pieu, nickel. Petite bibliothèque, donc par contre les enchantements doivent pas être bien élevés. Attendez, je vais prendre un bouquin. Hop, petit bouquin, voilà, les enchantements sont de 30. Ah, bien. Donc en fait il suffit pas d'avoir des bibliothèques qui font la taille de... Voilà, il suffit juste d'avoir une bibliothèque comme ça et ça suffit, d'accord, ok. Bon bah ça au moins c'est bon à savoir, je savais pas, tu vois. Donc Castor, merci à toi, tu viens de m'apprendre un petit truc, c'est génial. Donc voilà, donc on va sortir, c'est... Franchement, merci beaucoup. Alors, donc on va sortir d'ici, hop là, voilà. Oh purée, ça éblouit quand on sort dehors. Oh là là, oh les shaders, merci quoi. Alors, ok, donc là on va visiter un petit peu le reste, donc ça c'était une... c'est une maison de Winplay, enfin, ouais, une petite maison de Winplay, j'ai envie de dire. Il a franchement pas mal. Donc, alors, attendez, on va déjà visiter ceci. Ok. Donc, de toute façon, ça doit pas être fini de... Oui, ça doit pas être fini. Et il a fait ça pour éviter que quelqu'un vienne en haut et saute sur les cultures, je suppose. Ouais, il a fait ça. Bien joué, franchement, Winplay. Oh, ça bouge, c'est joli. Et ça bouge pas, ça. Non, non, ça veut pas bouger, ça, bien sûr. Non, non, mais, oh, oui, on se calme. Non, non, mais c'est, non, monsieur, en fait, c'est les shaders qui font que ça bouge et que ça bouge pas. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Bah, c'est sûrement parce que les carreaux, ça bouge pas, en fait. Non, je sais pas. Non, non, c'est juste que parce qu'en fait, les shaders sont encore en bêta. Donc, ils ont pas dû encore ajouter le souffle du vent dans les carottes et tout. Donc, franchement, ouais, non, bien joué à toi, Winplay. Alors, par contre, je vais sortir d'ici. Et je vais remettre. Hep, voilà. Voilà, c'est bon. Comme ça suffit. Personne n'ira sauter sur tes cultures. Sauf que pour sauter sur tes cultures, y aurait-il un moyen en passant par les arbres? Attendez, on va dire qu'on a monté sur les arbres. Hop. Eh merde. Non, mais non, non, on peut pas. Attendez, je vais essayer par ici. Tac, je passe par là. Hop. Ah bah si, on peut là. Regardez, hop, on passe par ici. Hop là. Et là, on peut sauter sur les cultures à l'aise.
Voilà, donc non mais c'est pas grave, au pire tu feras un petit toit Winplay ou un truc qui monte un petit peu, tu sais un petit toit sympa quoi, un petit truc où tu mets du verre tout simplement. Voilà, tu mets du verre au-dessus des blocs de verre et ça fera une sorte de serre et de toute façon ça empêchera pas la plantation et la fertilité, donc t'inquiète pas, tu peux mettre une serre en verre. Hop là, par contre je vais fermer ça. Donc ensuite il avait fait, voilà, il avait fait une maison sous une cloche de verre, donc pas mal, pas mal, franchement j'avoue. Par contre ici on peut sauter sur tes cultures Winplay, donc au pire ce que tu fais au-dessus c'est que tu fais une sorte de serre qui soit bien intégrée à la roche, ça pourrait rendre quelque chose assez pas bah, assez joli. Donc là il s'est fait une petite salle des coffres, pas mal, pas mal, franchement j'avoue. Oh oui. Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Par contre on a un souci sur ce serveur. Quand vous mettez des choses dans des cadres, on va prendre l'exemple de ce cheval. Si un mec arrive et fait un clic droit dessus, oui il peut le faire tourner, non mais en fait, si quelqu'un fait un clic gauche dessus. Hop, il peut le récupérer, ben moi là je l'ai pas récupéré parce que je suis administrateur et je suis un peu bête parce que du coup je vais devoir lui redonner, sauf que je m'en rappelle plus où c'est. Merde, c'est où les. Je crois que c'est pas bien loin, attendez. Ah merde. Ah mince. Ah bah. Ah bah fuck alors, c'est où? Merde. Attends. Armure. Ah voilà, c'est là. Mais je m'ai fait peur. Donc hop, on va faire ça. Voilà, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Donc du coup, en fait, le souci, c'est que quand quelqu'un arrive, même s'il n'a pas les droits de la zone, il peut quand même faire un clic gauche et l'armure va tout, comme ça, l'armure là va sauter et l'autre va pouvoir le récupérer. Ou alors non, ça va disparaître. Enfin, je m'en rappelle plus. En gros, il va se passer un truc, c'est que ça va être de la merde, tout simplement. Faudrait que je voie ça pour justement éviter ce genre de bêtises. Ça, c'est embêtant. Donc maintenant, je pense que en ce qui concerne les maisons, c'est Non, non, c'est pas à peu près tout. En fait, non, j'ai autre chose à vous montrer. Donc, TP Ludo 280-200, c'est le spawn, n'est-ce pas? Donc, on va passer par ici. Ah oui, j'ai la nouveauté à vous faire montrer, mais ça, on va le faire juste après. Donc là, on va aller là-bas. Donc, je sais que ça commence à faire une vidéo un petit peu longue, mais ça changera des autres fois quand je fais des vidéos assez courtes et que je montre rien. Donc on va les visiter. Donc j'ai mis en place, c'est pas la nouveauté de la semaine, hein, c'est un truc que j'ai mis il y a trois, non, ça fait, je crois que ça fait plus d'un mois que c'est là et j'ai oublié de vous faire montrer, mais bon c'est pas grave. J'ai mis en place ce Fort Boyard. Voilà. Donc attendez, par contre je vais faire un TimeZ 1000. Hop là, pour que ça soit le un petit peu plus en haut, non ça, non. Hein, on va faire TimeZ 3000 alors. Ah merde, là j'ai mis 300, ouais, avec quel blaireau. Hop, voilà. Ah voilà, là ça rend un peu mieux, voilà. Donc j'ai fait un Fort Boyard, donc vous pouvez le visiter si vous voulez. Et faudrait que je voie si tout est visitable. Parce qu'en principe ça c'est une map un peu aventure. Ouais, c'est une map aventure au parcours. Et je crois que vous ne pouvez pas tout visiter si vous n'avez pas les autorisations. Hop. Oui, donc là, ah d'accord, ok. Et ok, ouais, non, non, mais franchement, ouais, je verrai ça pour que vous puissiez tout visiter. Donc ça se trouve juste après les bateaux du spawn, hein, si jamais vous voulez. Donc là, il y a même la tour du Perforas. Donc voilà. Donc le vieux qui est encore vivant malgré les siècles d'années qu'il est là. Bref, c'est pas grave. Donc ensuite, on a d'autres maisons à visiter. Est-ce que je me dirige au bon endroit au moins? Parce que oui, je crois que c'est pas mal. C'est par ici. Voilà. Ok, donc là déjà on a une maison, on a plusieurs maisons à visiter. Donc là déjà, hop, ah oui c'est vrai, c'est le pack de, dans ce pack de texture là, faudrait que je rajoute le bloc parce que là on dirait des blocs où on a gerbé dessus, c'est assez moche. Regardez, on dirait quand le mec il a gerbé des carottes plus des épinards, c'est assez dégueu. Bref, c'est pas grave. Donc là on a la maison de Ziggy. Ah c'est PM. Ah attendez, je vais prononcer comme il faut là. C'est PM 231 001. Voilà. Donc voilà, c'est le manoir en fait de PM. Donc voilà, je pense qu'il a pas encore fini. Ouais, c'est bien de mettre des blocs de pression. Enfin des plaques de pression, c'est bien. Comme ça on est sûr que ça ferme les portes automatiquement. Donc attendez, on va monter à l'étage. Ok, donc là. Aïe, il a pas fini encore. Ok. Donc ensuite là on a une autre maison que je ne vous ferai pas visiter. Pour le moment, bon remarque, je pense pas que Fred m'en voudra. Ou alors si il va m'en vouloir, il va me faire la tronche pendant 2 semaines, vous allez voir. Non en fait, je plaisante, hein. Il est pas comme ça, mais bon je. Voilà, ça y est. Je loquais, non je déconne. Ça en fait, ça c'est une maison à. Je sais pas comment il l'appelle. Je dirais qu'en résumé, c'est une maison à épreuve. Donc si sur le serveur vous foutez un peu le bazar. Au lieu de vous mettre en prison ou de faire un truc, voilà, c'est qu'on vous mettra ici, et le mouton qui est en face.
Voilà. Le mouton qui est en face, je disais, le mouton qui est en face choisira le sort qui vous réservera. Donc s'il va dans la pièce à droite ou à gauche, je m'en rappelle plus, vous tomberez dans le vide dans la lave. S'il va à gauche, vous passerez à la salle suivante. Enfin, c'est franchement, c'est une bonne idée. Et moi, je fais comment pour sortir d'ici maintenant? Sans péter quelque chose. Au secours? J'avais dit que... Ah, j'avais dit que je voulais pas péter! Attends, et si je fais ça? Ah, mince, ah, mince, ah, bah mince alors. En haut, il y a de l'eau. Ah, oh, purée, je fais comment pour sortir d'ici, moi? Qu'est-ce qu'il a déclenché, lui? Ah oui, il y a la lave dessous, c'est vrai. Hop. On va passer par ici, écoutez. Hein? Ouais, d'accord, on va faire ça. Hop, on va faire ça. Oh merde! Attendez, et là, si je fais ça... Alors, attendez, on va faire ça, ça... Oh merde! Oh purée! Je suis n'importe quoi, là. D'accord, donc on va faire ça. Ah bah c'est bon, là, on peut passer par ici, c'est nickel. Ok, donc ensuite, on a deux autres maisons à visiter, et après, je vais vous montrer la nouveauté de cette semaine, n'est-ce pas? Donc, on va aller par ici, on va aller tout droit en face. Enfin, c'est pas une nouveauté, ça, c'est des maisons qui sont là depuis un petit bout de temps, et j'avais complètement zappé de montrer, parce qu'elles sont assez loin. Enfin, assez loin, disons qu'elles sont assez reculées. Et j'avais zappé. Donc, par contre, là, il y a un souci au niveau de l'actualisation des chunks. Alors, attendez, on va faire, hop, voilà. Par contre, j'ai enlevé ça, voilà. Donc, c'est une maison de, c'est Matou. Matou, je crois, qui a fait ça. Alors, attendez, je vais faire, région info. Merde, voilà, région info. Donc, c'est Matou, voilà, et Xeller24 qui ont fait ça. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Par contre, le contour, là, ça fait un peu forteresse, mais ça sert un peu à rien. Mais c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ensuite, il y avait la maison de Xeller24, qui était pas loin, là. Voilà. Donc, la maison de Xeller24, ici. Donc, une petite maison de survie assez tranquille. Hop, voilà, on va fermer ça. Hop. Donc maintenant, je pense que je vais passer tout de suite à la nouveauté. Donc TP Ludo, de toute façon, ça va être écrit pas loin, je pense. TP, voilà, tac. On revient au spawn. Et là, on va passer par ici. Voilà. Donc déjà, je vais prendre un seau d'eau. Voilà. Donc bientôt disponible. Il sera disponible quand vous regarderez la vidéo, n'est-ce pas? Donc hop, on va faire ça. Je vais mettre un peu d'eau. Voilà, nickel. Comme ça fait. Voilà. Donc hop, on rentre par ici. Et là, on tombe sur la map Imperial City. Donc la map Imperial City, qu'on va actualiser le chunk parce que là c'est un petit peu le bordel. Réactualise-toi chunk, voilà c'est ça, chunk Norris. Oui je sais c'est une blague pourrie mais bon fallait que je la fasse à un moment donné, ben, je l'ai fait maintenant, voilà, faudra pas m'en vouloir mais c'est comme ça. Donc c'est une map que vous pouvez visiter, franchement elle est énorme cette map, mais quand je dis énorme c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que elle est énorme en surface et elle est énorme. Je veux dire par le fait que ça soit des constructions absolument merveilleuses quoi. Regardez, c'est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment génial. Donc il n'y a pas que ça à visiter, il y a énormément de choses et c'est une map que vous pouvez visiter bah, 3 kilos. De toute façon, je pense pas que vous tomberez sur des monstres car j'ai fait en sorte de tomber, enfin de désactiver les monstres. D'ailleurs, il faudra que je vous parle des monstres juste après dans la map créa. Donc déjà on va visiter un petit peu ça vite fait parce que je pense que le mieux ça serait que vous visitez par vous-même, hein, ça pourrait être pas mal. Donc on va se diriger par ici. De toute façon j'ai la map sous les yeux, je sais où je me dirige, donc je sais ce que j'ai à vous faire visiter. Rapidement on va survoler un petit peu tout ça, voilà. En fait là je peux pas tout vous montrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps et je sais qu'on va atteindre un bon moment dans la vidéo, elle va durer assez longtemps. Voilà, et moi je commence à avoir le hockey. Donc, je pense que je vais continuer par ici. Je vais accélérer un petit peu le rythme, voilà. Non, non, franchement, ouais, non, c'est vraiment un truc à voir, quoi. C'est une ville à voir de A à Z, si vous avez le temps. Par contre, il faudrait que je mette un truc pour que vous pouvez aller la visiter sans mourir, ça pourrait être pas mal. Comme ça vous permettra de la visiter. Et même, au pire, la visiter en mode créa, quoi. Enfin, je sais pas, je verrai. Hop. Par contre, on passe au-dessus des nuages. Les nuages qui sont assez bien faits avec ce shader, quoi. Vous avez l'impression que ce sont des vrais nuages. Parce qu'ils sont vraiment en 3D. Donc là, vous avez du tour, vous avez une place de marché. Donc si vraiment vous voulez des idées de construction, n'hésitez pas à venir visiter les maps à visiter comme celle que j'ai ici là. Voilà, donc là il y a des petits cactus, c'est joli, franchement non c'est joli. Ensuite on va aller vite fait ailleurs. Je crois que j'ai, oui, j'ai autre chose à vous montrer juste pas loin là. On va accélérer un petit peu. Alors, là, on a un petit jardin ici. Ah oui, il y a un métro juste ici aussi. C'est vrai que j'ai jamais pris ce métro. Faudrait que je voie ce que ça donne.
Hop, descends, s'il te plaît. Voilà, merci. Oui, j'ai jamais visité. Enfin, je voyais un peu à quoi ça ressemble. Là, on a un petit jardin vraiment tout mignon. Hop, un pont. Ah, c'est vrai que un pont là avec les barres de fer que j'ai rajouté, ça c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ah non, c'est pas un pont en fait, c'est une gare. C'est un terminus de gare au-dessus de l'eau. Franchement, c'est très joli. Ah merde, il y a la pluie. Attendez. Ah oui, il faudrait que je désactive la pluie sur cette map. Parce que attendez, Google Down Fall. Voilà, c'est bon. La pluie va s'enlever, on va y voir un petit peu mieux dans quelques minutes. Enfin, dans quelques secondes, pardon. Voilà, c'est bon. Donc, ensuite, on va continuer. Là, c'est... Oui, ça, c'est bon. Ah, tiens, il y a écrit quelque chose, là. Hein, il y a écrit quelque chose. Alors, attendez, on va continuer un petit peu. Ouais. Ici, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une usine, ouais. C'est une usine pour fabriquer des chars, je crois. Parce que je crois qu'il y a des chars pas loin, là. Ah, ils sont là, voilà. L'usine pour fabriquer les chars, et les chars, ils sont là, ils attendent patiemment. Voilà, donc non, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein, voilà, n'hésitez pas à venir visiter. Hop, donc, de toute façon, je crois que je vous mettrai le lien de la carte dans la description, si vous voulez la télécharger pour vous, hein, y a pas de souci. Parce que je comprends que vous ne vouliez pas forcément la visiter sur le serveur, même si, bon, ça vous évitera de télécharger la map, hein, comme ça peut être pas mal. Hop, donc, je sais pas trop ce qu'il y a écrit. Enfin, ça, c'est grand chose. Je sais pas si... Je sais pas. Alors, attendez, on va aller par ici. Voilà, on a déjà un bon jardin à visiter. Et là, juste après, on a autre chose. C'est une arène à visiter. D'ailleurs, cette arène, faudrait qu'on puisse s'en servir. Ou je sais pas. Je pense qu'il y a des choses à faire avec cette arène. Hein. Je sais pas. Attendez, on va aller la visiter. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, attendez. Hop. Voilà, donc on va aller par ici. Hop, donc là déjà là ils ont fait un petit pixel art, ça ressemble à un petit truc allemand, vous voyez ce que je veux dire, c'est, enfin je sais pas, c'est assez. Donc là voilà, là il y a une arène juste en face de nous, et voilà, c'est une arène de course de chars, si vous voyez ce que je veux dire, c'est une enfin ouais, non mais c'est vraiment c'est bien fait quoi. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que cette arène, on pourrait s'en servir. Donc je sais pas réellement où est-ce que je la mettrais, parce que c'est vrai que c'est assez grand. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'en servir, je sais pas. Franchement, c'est assez magnifique. Attendez, on va revenir dans le portail pour repasser. Enfin, je sais que je pourrais me téléporter, mais ça va me permettre comme ça de passer ailleurs pour vous montrer ce qu'il y a. Et puis après, je vais aller dans le mode créa pour vous montrer un petit truc. Alors, donc là, c'est... Ouais, ça, c'était l'arène, ok. Ouais, on remarque qu'on pourrait s'en servir pour le lancer. Est-ce qu'on peut lancer des choses déjà dans Minecraft? Il faudrait qu'on puisse trouver un truc de lancer. Je crois qu'avec un canon à TNT, ça pourrait être possible. Pour faire des épreuves. Ouais, enfin on verra. De toute façon, ça c'est juste des idées que j'ai. On pourrait voir ça un petit peu plus tard. Hein, si vous voulez mon avis, j'en réfléchirai. Enfin, j'en parlerai avec Fred et on verra ce qui serait possible de faire. Ok, donc là, on va arriver hop, dans la city, j'ai envie de dire. Donc la city, elle est pas bien loin. Bah, là, de toute façon, on y est. Hein, donc c'est l'île un peu city. Donc là, on est dans la ville. Ça, c'est un petit palais assez mignon. Ensuite, là, hop, on va survoler ici. Ouais, ouais, on a un petit peu des bâtiments. Vous voyez, bah, un petit peu impérial, j'ai envie de dire, vu que c'est la map Imperial City, ce qui est logique. Mais je veux dire, c'est vraiment bien retranscrit avec la petite fontaine magnifique. Par contre, je vous préviens, cette map n'est pas encore finie. Hein, si jamais. Donc vous étonnez pas qu'il manque pas mal de choses, c'est la version 14.1. Donc voilà, la preuve ici, elle n'est pas finie. Donc de façon au fur et à mesure qu'ils sortiront des versions, bah, je les rajouterai, n'est-ce pas? Je rajouterai les nouvelles versions. Donc comme ça vous permettra d'avoir les dernières nouveautés. Donc là on a un petit jardin avec. C'est un éléphant ça ou... Ouais, c'est un éléphant, ouais. Un éléphant, ouais, magnifique, franchement, un petit jardin magnifique. Donc là, ensuite on va aller. Bah tiens, avant de se quitter, je pense que je vais aller visiter un autre jardin juste en face. C'est vrai que la vidéo va commencer à être un petit peu longue, mais au pire c'est pas grave. Comme ça vous fera une bonne vidéo à regarder pour le week-end. Parce que là, il faut savoir qu'elle est faite en début de semaine. Hein. Donc si vous faites des constructions d'ici la fin de la semaine, elles ne seront pas prises en compte, si ce n'est dans 2 semaines, n'est-ce pas? En attendant, là, voilà. Donc là, je l'ai fait en début de semaine, donc comme ça me permettra de me concentrer sur la prochaine vidéo sur Lego Pirates des Caraïbes. Donc, il y a eu un commentaire qui m'a dit, ouais, j'espère que tu ne feras pas qu'une seule vidéo. Ben non, 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 bien sûr, non, que je ferai pas qu'une seule vidéo sur Pirates des Caraïbes. Je compte bien finir cette série tôt ou tard, même si je vais y aller tout doucement, mais sûrement.
Je vais la finir ça, certainement cette série parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle est en attente. Et comme quand je lance quelque chose, je l'ai fini toujours parce que sinon, bah ça sert à rien de commencer une série si c'est pour pas la finir. Hein, voilà, je suis pas comme ça. Donc là, on survole un petit jardin assez mignon. Non, franchement, c'est bien fait. Je vous conseille vraiment de visiter cette map. Elle vaut vraiment le coup, le coup parce que franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc là, attendez, hop, on va passer par ici. C'est joli, franchement, ici, c'est vraiment pas mal. Et en fait, après, vu que je sais pas du tout comment on fait sort pour sortir d'ici, bah, je pense que je vais sortir en me téléportant, hein, ça sera mieux. Hop, on va attendre la visiter par ici. C'est vrai que c'est joli quand même, hein. Hop là. Hop, on va passer par ici. C'est vrai que, regardez, avec le soleil qui tape sur les carreaux et tout, c'est vraiment magnifique. Ah, attendez, je vais faire MVTP, je suis dans le... Mon bacon marche enfin. Hein? Mon bacon marche enfin? Pourquoi il m'a dit ça, Fred? Bref, c'est pas grave. Donc, ah merde, il fait tout noir ici. Alors attendez, je vais faire un day. Hop là. De toute façon, ça sert à rien que je mette un day, vu qu'on va se re-téléporter dans le monde créa, où j'ai quelque chose à vous dire. Hop là, donc là, ouais. Là, on est censé être vendredi quand on va regarder cette vidéo, et donc vendredi, ce portail sera ouvert. Donc en attendant, je vais mettre du verre, hop, pour éviter que vous passez, hop, parce que j'ai encore des choses à faire dans cette carte. Hein. Il faut que je termine certaines constructions qui n'ont pas été finies, pareil, donc je vais les finir moi-même. C'est pas très grave. Donc là, on est dans le mode créa, qui est tout noir, d'accord. Attendez, on va faire Game Mode 1 et Daytime. Voilà. Donc là, on est dans le mode créa, comme vous pouvez le voir. Il avait été fermé pendant quelques jours pour la simple raison que quelqu'un était venu et avait foutu le dawa. Donc c'est pour ça que je l'avais fermé, n'est-ce pas? Pourquoi je l'avais fermé? Pour la simple raison que quelqu'un s'était amusé à prendre des ghasts, des blazes, merde, des blazes. Voilà, des blazes, et il les avait fait spawner. Sauf que maintenant, voilà. Tout ce qui est les mods, les mobs par contre... Ah oh purée, les mods... Ah oh purée, je vais pas y arriver, hein. Tout ce qui est mob agressif, ils ne pourront plus spawner. Voilà, donc vous devrez remercier quelqu'un pour ça, parce qu'avant vous pouviez les faire spawner, donc vous pouvez faire expérimenter des machines et tout. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Donc, par exemple, si je prends la sorcière que ma copine n'aime pas parce qu'elle a une tronche de cake, hein, la sorcière. Voilà, la sorcière ne réapparaîtra pas, vous voyez. Donc voilà, donc c'est par exemple si vous prenez par exemple des poules, hein, exemple des poules, voilà, elle spawnera, mais tout ce qui est magma, hop, voilà, lui il arrivera, mais il ne restera pas, quoi, il apparaîtra même pas une seconde. Et attendez, par contre je vais répondre à Fred. Hop, voilà. Ok, donc je vais. Ben là, je pense que c'est bon. Vous avez compris de toute façon que le monde créa est réouvert, mais à condition de pas faire de bêtises, parce que sinon je me verrais dans l'obligation de le refermer et ça m'embêterait vraiment parce que je trouve que c'est un truc. Enfin, c'est une nouveauté que j'avais rajoutée. J'ai enfin accès au pouvoir du bacon. C'est le pouvoir du bacon, d'accord. Je demanderai. Attendez. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir du bacon. Point d'interrogation que j'ai oublié. Et hop, voilà. C'est quoi le pouvoir de bacon? Voilà, donc excusez-moi pour cette petite coupure. Donc c'est Fraps qui m'indique en quelque sorte que l'épisode va bientôt prendre fin. Ah, ça plantouille. Que l'épisode va prendre fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là ça commence à planter un peu, parce que je vois qu'il y a plus trop d'espace libre sur mon disque dur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc dans une semaine pour une vidéo sur Pirates des Caraïbes. En attendant la prochaine de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.